Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le matériel électronique que je vais installer dans ce châssis SX10 Austar. C'est un châssis clone. Donc, j'ai vérifié la transe, c'est bon. Les amortisseurs, ils feront ce qu'ils peuvent, mais je pense que ce qu'ils peuvent, pardon. Mais je pense que je vais prévoir de les remplacer parce qu'ils me paraissent pas top. J'en ai vu des pas trop mal sur eBay. Faut que je cherche, c'est pas la priorité. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais installer à l'intérieur pour le faire fonctionner et j'espère pouvoir faire les premiers tours de roue. Donc là, je vous présente un cerveau de marque SPT, acheté lors des Black Friday sur Banggood pour une somme ridicule, c'est-à-dire aux environs de 8 euros, 8,50 euros. C'est un cerveau qui est donné pour entre 24 et 26 kg. Un cerveau qui a une bonne tête, après on verra dans le temps. Il est livré avec sa pochette d'accessoires, comme tous les cerveaux. Oui. Il y a même un petit crawler de dessiner dessus. Ouais, voilà, de 25 kg il est donné. 90 degrés, 25 kg. Et jusqu'en 6,6 volts. Bon, pour ce type d'engin, ça suffira parfaitement. Bon, on l'installera et on testera ça ensemble. Donc ça, c'est le premier point. La deuxième chose, bon, je l'ai déjà ouvert. C'est pour... Donc, c'est un petit variateur électronique qu'une copie des Obi-Wing, très connu. On reconnaît d'ailleurs l'interface. Donc, acheté sur eBay pour de mémoire 8,17 €. Bon, il est vendu avec une prise Tamiya que je vais changer ça avant l'installation. Fonctionnement de ce que j'ai pu voir, identique à l'Obi-Wing. Peut-être un petit peu moins sensible, mais bon, on testera. Puis on verra bien s'il fait le taf. Ce sera parfait. Je mettrai aussi un petit palonnier alu que j'avais acheté il y a quelques temps sur eBay pour une 60 centimes d'euros. Pas la peine de s'en priver. Et puis voilà. Donc là, je vais refaire la soudure pour mettre une XT60 en lieu et place de la prise Tamiya que je n'utilise plus. Et... on va faire le montage final ensemble et puis juste après, et on essayera voir si ça fonctionne. Bon, ben, le connecteur est changé, le variateur, le cerveau est monté, ben, il ne reste plus qu'à tout installer pour tester. Donc, hop. Il faudra passer tout ça proprement. Pour l'instant, on va câbler tout ça en volant. Un petit peu de double face. Et on testera après. On allume la radio en premier, toujours, et après, voilà, ben le variateur est initialisé. Le cerveau, ça fonctionne. Au niveau... a l'air de fonctionner, mais tout est inversé. Donc on va aller dans les reverse. Tac. Hop. Bon, on va régler les trims. Voilà.
réinitialise pour qu'il reprenne neutre. On va remettre la direction, et maintenant ça va aller. Et maintenant ça va en marche. Super. Bon, le variateur me semble très très progressif. Est-ce qu'il y a du drag brake dessus? Ah oui, bon, un bon petit variateur sympa. Bon ben voilà, il ne reste plus qu'à coller, protéger le récepteur, mettre les roues pour faire un premier test en extérieur pour voir ce qu'il vaut et d'attendre la carrosserie que je vienne commander. Donc ça, il faut la recevoir, la peindre et après on fera un essai. Voilà, c'est tout pour l'instant. À bientôt.